Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit projet DIY en fait, où j'ai besoin d'un porte-document. Hein. En fait, j'ai fabriqué des bases de cartes à l'avance et donc j'ai besoin d'un endroit pour les ranger. Donc, pour pas que ça traîne, je vais fabriquer un porte-carte. Voilà, donc pour ceci, j'ai récupéré de la cartonnette. Alors, je n'ai pas les dimensions parce que c'est de la récup, j'ai fait au. Voilà, donc c'est du 13,7 par 21,2. Voilà, et je fais. Et une tranche du milieu qui va être de 3 cm. Voilà. Et donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Voilà. Alors, on y va. Je vais enlever d'abord le sous-main ici. Voilà. Et donc allons-y. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de craft gommé, si vous en avez. Sinon, du scotch fera très bien l'affaire. Du scotch comme ça. Celui-là, je rappelle, je l'ai trouvé chez Action. Côté emballage, déménagement, avec les cartons de déménagement. Voilà. Donc, c'est juste à côté. Et il fait très bien l'affaire, hein, il n'y a pas de problème. Alors, c'est parti. Donc, hop. Voilà. Je vais poser donc la cartonnette comme ceci avec la tranche. Alors je laisse à peu près un demi centimètre. Que je sois droite, ce serait bien. Voilà. Hop. Voilà, on peut appuyer sur la tranche ici. Voilà, pour que ce soit souple. On fait la même chose pour l'autre côté. Et là, pareil, on fait attention à mettre à peu près un demi centimètre. Voilà, et on colle bien droit.
Et on fait pareil, hop, on appuie sur la tranche. Voilà. Donc ça c'est un premier côté. Mais j'ai également besoin d'un côté supplémentaire pour faire les pour ranger aussi mes comment ça s'appelle les marque-pages, parce que j'ai fait aussi des bases de marque-pages en fait, voilà, parce que j'aime bien en faire, et donc il me faut aussi un endroit pour les ranger pour pas que ça finisse comme je viens de faire. Voilà. Hop. Avec donc un côté supplémentaire qui va venir tac ici. Du coup la tranche par contre elle est un tout petit peu plus petite, et ce côté là je vais couper légèrement pour fermer après plus facilement également. Voilà, quoique. Bon, je vais essayer de le laisser tel quel. Et si vraiment j'ai du mal à le fermer, j'enlèverai un demi-centimètre. Voilà. Alors, déjà, on va s'occuper de la tranche. La tranche fait 2 cm. Donc là, même opération qu'ici. Je mets la cartonnette. Je mets ma tranche à peu près également à 1 demi-centimètre. Voilà. Je vais recouvrir le tout. Je fais la même opération pour rajouter donc la cartonnette supplémentaire. Hop là. Je recouvre le tout. Hop là, j'ai un peu appuyé un peu trop fort. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Dans un premier temps, c'est plutôt pas mal.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Voilà, voilà. Donc, je range ça. Ben on va se retrouver dans une deuxième partie pour pouvoir décorer ensemble. À tout à l'heure.